Focus à présent sur l'examen de passage de grade de Shitoryu et de Shotokan, cérémonie qui a eu lieu le week-end dernier à Boaké. Boaké, ce samedi 2 avril, dans la cour de l'auberge de jeunesse, des pratiquants de karaté sont en pleine révision. Dans quelques minutes, ils seront soumis au scan des grands maîtres en vue d'obtenir les ceintures d'un grade supérieur. Ce sont plus d'une soixantaine d'impétrants âgés de 4 et plus qui se sont présentés à l'examen de passage de grade de Shitoryu et de Shotokan, deux disciplines de karaté-do unies pour l'occasion. Une collaboration voulue par les acteurs majeurs du karaté à Boaké pour qui travailler ensemble permet des échanges enrichissants au niveau des techniques, mais surtout de fédérer leurs efforts pour le développement du karaté dans cette ville, avec le soutien de la Fédération ivoirienne de karaté-do et de disciplines associées et de la Ligue locale de karaté. Cet examen de grade commun a été donc une façon de matérialiser cette nouvelle vision selon Maître Diomondé, le président groupement ivoirien de karaté do Shitoryu, ce qui n'empêche pas les activités d'expansion de sa discipline. Tous les arts martiaux se ressemblent. La différence parfois c'est l'origine de l'art martial. Au niveau de Shitoryu, il y a plusieurs tendances au niveau de Shitoryu. Nous sommes rendus compte depuis quelques années qu'il fallait échanger, il fallait travailler ensemble pour nous enrichir mutuellement. Mais ce n'est pas parce qu'on est au Shitoryu que ce que le Shotokan fait est mauvais. Nous sommes dit, nous allons travailler avec tout le monde, comme le fait la fédération, mais ça ne nous empêche pas de faire la promotion du Shitoryu, famille de laquelle nous sommes issus. Je pense que ce passage de grade entre dans ce cadre-là. Tour à tour, des moins gradés aux plus initiés, les élèves du Shotokan et du Shitoryu ont rendu fidèlement leurs connaissances au niveau des katas et des techniques d'attaque et d'autodéfense qui leur ont été demandées par le jury. Un niveau de performance qui satisfait tout de même ces grands maîtres qui n'ont pas manqué de souligner qu'il leur faudra encore plus de travail pour atteindre l'élite. Ça va mieux, mais il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler parce que on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'avancer. Tu as vu un peu, on a commencé par ceinture blanche, on a terminé par ceinture marron. Alors le niveau, ça va, mais il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler, parce que quand je regarde au niveau international, j'ai vu des passages de grade là-bas. Par rapport à nous, je pense qu'il n'y a pas trop de grandes différences, seulement qu'il faut travailler, c'est tout. Tout comme Toffey, les candidats ont tous reçu l'approbation pour le passage au grade supérieur pour les plus excellents. Les moins bons devront satisfaire à un autre examen de confirmation à cause des ceintures partielles obtenues. Boaké avec le Shitoryu et le Shotokan ne reste donc pas en marge du grand dynamisme qu'affichent les disciplines de karaté en ce moment à travers tout le pays.